bena kumana le ah jomo kolo ala le kalo ala ila sunguru ya tona le ah jomo kolo ala le kalo ni ala ye kome si jona joni di bama ni ala ye kome si jona joni di bama ni ala ye kome si jona kiti bainya si do fama bana wole kelani jomeni dayale. Camara, Cotan. Tu connais où? Je vais te dire. 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 Youssouf Camara, né à Kolda. Né en 1943. Depuis ma naissance à aujourd'hui, les habitants de ce quartier, Kédoumassou, n'ont jamais appelé cet arbre par un autre nom sinon que Djalaba, Haïboumad, le grand Kaïsédra. Mais sa grandeur, cet arbre doit sa grandeur à la tradition et notre coutume, qui fait en même temps de cet arbre notre arc de triomphe. L'arc de triomphe de Doumassou, notre orgueil, ne s'appuyant que sur la tradition et nos valeurs coutumières. J'ai cette calebassette. À l'intérieur de cette calebassette, il y a du riz, semence de riz, qui a une signification. Parce que quand l'hivernage s'approche, quand l'hivernage s'annonce, nos mamans, avec des calebassettes, passèrent 24 heures, sinon 12 heures de temps, sous cet arbre. Chacune d'elles avec des calebassettes et chacune d'elles avec sa semence. De l'arachide au mil, du mil au riz, au fognon, toutes les semences sont représentés sous cet arbre ce jour-là. Mais après la prière du crépuscule, les vieux rejoignent les femmes, les mères, priant face au soleil levant. Que Dieu leur donne une pluviométrie, une pluie abondante, porteuse de bonheur. Une pluie abondante, une bonne pluviométrie. Ah, et se donner né qu'entre les mains du Créateur, Créateur de l'univers. Selon les musulmans, il a créé la terre et le ciel en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Derrière cet arbre, derrière nous, cet arbre que vous allez connaître aujourd'hui, quand les cultures commencent et que les semences sont faites, après la récolte, c'est une grande rencontre organisée par les Dimba. Les Dimba, c'est une autre tradition, c'est une autre coutume de mère en fille qui n'est organisée, qui n'est animée que par des mères, avec une expérience, avec une connaissance surnaturelle. Le matin, à partir de 11h, elles viennent avec des seaux, des calebasses, des baignoires remplies de bambar faso. Bambar faso, c'est la citrouille mélangée à la pâte d'arachide et du sucre, mélangée, chauffée, transformée en pâte. Mais pour manger ce repas, il y a des critères. Il y a la lionne, il y a la panthère, il y a le lion, il y a la panthère, il y a l'hyène. Il y a le serpent, il y a le docteur. Elle représente la vie sous sa forme, mais dans un cercle, dans le cadre d'une animation
comique qui fait rire les gens. Quelquefois, tu as envie de pleurer parce que c'est des scènes qui te poussent à penser à ta fin de vie ou à ton parcours sur Terre. Après cette manifestation, les vieux encore au crépuscule se retrouvent avec les femmes face au soleil levant. Dire à Dieu, nous avons semé en te demandant une pluviométrie. Nous avons récolté. Nous sommes contents du résultat de notre récolte. Quel que soit le rendement, la chasseresse ose, ils ne se plaignent pas. Parce que tout est entre les mains du Créateur. Au contraire, ils disent à Dieu, nous sommes en bonne santé. Nous avons cultivé, récolté et nous pensons que demain et après-demain, ça sera meilleur qu'aujourd'hui. Ça, c'est l'une des grandeurs de cette table. Deuxième grandeur, quand il y a une épidémie telle que le choléra à Kolda, dans la région, au Sénégal, à travers le monde, les femmes, cette fois-ci, à l'approche du crépuscule, claquent les calebassettes. Ce bruit dit aux femmes, responsables des familles, des différentes familles, venez sous le cathédra. Et après la prière du crépuscule, elles se rendent au fleuve, encore avec des calebassettes. Mais cette fois-ci, à l'intérieur des calebassettes, il y a un petit morceau, un tissu, un boubou, un morceau de tissu appartenant aux enfants. Elles se rendent au fleuve, mettre le tissu des enfants dans l'eau. Et dans la calebassette, elles prennent de l'eau. En venant rejoindre cet arbre, elles courent. Arrivées sous cet arbre, elles font trois fois le tour de cet arbre. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, tout ce qu'il y a événement à travers la région, je ne dis pas la commune, je ne dis pas le département, mais même au niveau national, spontanément les jeunes se croisent encore sous cet arbre, font trois fois le tour de cet arbre pour dire à Dieu, quel que soit l'événement, nous te demandons protection face au soleil levant. Mais ce qui est important, qu'on doit souligner à ceux-là qui auront l'occasion d'écouter cette émission, que dans cette rencontre humaine, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de... Toutes les religions, toutes les races confondues, toutes les ethnies se croient sous cet arbre multidimensionnel pour faire trois fois le tour de cet arbre. Et après, faire face au soleil levant, dire à Dieu, nous te demandons pitié. Cette pandémie qui sévit, qui ravage, nous te demandons de l'arrêter. Cher auditeur, le constat est fait que la tradition et nos coutumes ont une valeur. Si ces coutumes sont respectées, si ces traditions sont suivies à la lettre, et que cette vie que nous vivons ne doit pas nous déraciner. Seigneur disait, imposer à sa jeunesse pendant deux ans ou trois ans lors des semaines de la jeunesse du Sénégal. Comme thème, il nous donnait enracinement, ouverture. Il tenait beaucoup à l'enracinement et à l'ouverture. Mais aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de piétiner l'enracinement et d'opter, de nous focaliser que sur l'ouverture. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je le dis avec regret, ce grand cathédra qu'on appelle Galaba n'est fréquenté que quand il y a des événements. Or, avant, pour amener les enfants en brousse, les gens se mettaient là à 17h, choisissaient le responsable de la case des hommes, qu'on appelle le Kouyamansa,
choisissèrent le chirurgien qu'on appelle le Ngaman et le guérisseur. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Hier, moi je suis allé en Broussa en 1952. Il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de piqûre antitétanique. Mais l'hémorragie, les gosses, mais ça se calmait. On nous soignait. On n'avait jamais de cas de tétanos. Parce que la science traditionnelle était là. C'est les écorces, c'est les feuilles, c'est les racines. Ce sont ces choses que les gens utilisaient pour nous soigner, pour nous maintenir en bonne santé. Aujourd'hui encore, à 81 ans, je me porte bien. Et j'ai encore 20 ans devant moi. Parce que refusons de donner dos à la réalité qui est la tradition et nos coutumes. Senghor tenait beaucoup à la tradition. Il tenait beaucoup à nos valeurs léguées par nos ancêtres. Et puis il n'y a que ce Djalaba, Haïbou Mag, le grand Kaysedra, Nien Djalaba, Bamburan Djano Bidje, l'épidémie, Djalasso Bidje, c'est les semences. Chaque nom, chaque fréquentation des populations à l'égard de cet arbre a un nom. Cet arbre ne s'appuie pas sur l'histoire ou sur un individu. Cet arbre n'est rien d'autre que la tradition respectée par nos coutumes. Et puis, aujourd'hui encore, en dehors des hommes, cet arbre est octroyé par la nature, par six routes qui se croisent sous ses pieds et font de cet arbre un rond-point naturel. Par la grâce de la nature. Après les hommes, c'est la nature. Chers auditeurs, ce Djalaba, gros, long, large de 30 mètres par ses branches, son bas n'est jamais sale. Vous vous levez la tête, vous regardez ses branches, les feuilles sont toujours ouvertes, 24 sur 24. Les feuilles ne sont jamais jaunes, ne sont jamais rouges. Elles sont de tout le temps vertes. Mais, chers auditeurs, cet arbre se trouve à peu près à 800 mètres du fleuve, de notre cours d'eau. Et ce qui va paraître bizarre, pour certains, pas pour nous, cet arbre puise sa source en eau à partir de ce fleuve. Et font de cet arbre de tout le temps un jeune arbre. Quel que soit ses 160 ans. Parce que moi, mon père est parti à 127 ans, il y a 10 ans. Il a vu cet arbre comme ça. Ma mère l'a vu comme ça. Moi, je l'ai vu comme ça. Mais dans ce comme ça, il y a le respect traditionnel qu'on avait hérité de nos parents hier. Et pour nous, qui demeure, qui est une réalité encore. Parce que si vous avez une demoiselle mariée, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui n'a pas d'enfant, c'est les Dimba qui récupèrent parce que la fille vient se confier aux Dimba. Elle est lavée sous ce grand Kaysedra. Elle est bénie. Le plus souvent, le conseil a fait qu'un an ou deux ans, elle devient porteuse de bonheur. Ningalaba, Issa Fonyao Nyaita Bagnola Fola. Nte wuluta nga ñing ci tenne fama wuluta ay ñing ci tenne bari ñi muso fututa sanji kilin sanji fulama harje dimbal ya ta ya ku ñi Djalaba koto ah le plus souvent alaka harje di wolal nga ñu jamaaje e muso elle devient dimba et ses enfants deviennent dimba. Les Dimba, comme cet arbre, c'est une tradition, c'est notre coutume. Nous respectons ce que nos parents nous ont légué. Nous serons riches parce que conservant la tradition, qui est multidimensionnelle, cet arbre, ses racines soignent, l'écorce soigne, ses branches soignent, ses branches
enveloppé dans un tissu blanc et puis trac, vous portez ça à une femme qui n'est pas porteuse d'enfant, le plus souvent, elle aura un enfant. Parce que tout ne se dit pas en public. Tout ça ne se dit pas au su et à la vue des gens. La tradition aussi a ses secrets. Cet arbre, nous croyons en cet arbre. Parce que cet arbre est habité par des esprits. Il y a 60 ans, il arrive que des gens prient dans cette mosquée avec ceux-là qui sont dans cet arbre. Il y a 60 ans. On avait un préfet militaire du nom de Djibril Ndiaye. Le premier préfet militaire, parce que les militaires occupaient la région de Jigenchor, de Velingara, Kolda, Seydou, Bindiona, Jigenchor aussi, à cause de la guerre en Guinée-Bissau. À un préfet entreprenant, il dit, Kolda n'est pas loti. Dans nos voies, sur nos voies, il y a tout, il y a des arbres et tout. Mm-hmm. Je vais enlever tous les arbres. Quand il est arrivé ici, il y avait un deuxième arbre. Je refuse de dire le nom, je refuse de dire l'endroit. Mm-hmm. Pour apporter la contradiction à ceux-là qui pensent connaître cet arbre. Mm-hmm. Or, ils sont nés hier, ils n'ont rien compris, on ne leur a rien raconté. Ils pensent et ils écrivent. Il y avait deux arbres ici. Et à Doumassou, il y avait cinq arbres. Lenko, Bantamba, Timbindjoufoula, Ndjalaba, Ndjalaba dala Yiridobi yente Otofra. Je garde ça pour moi, parce que je l'ai vu. Quand Djibril Ndiaye est arrivé sous cet arbre, avec l'ensemble du matériel des TP, des travaux publics, il dit coupez-moi cet arbre, déracinez-moi cet arbre. Le chef de quartier est venu en courant. L'imam d'ici est venu, nos parents sont venus et ils lui ont dit préfet, avec tout le respect que nous avons sur votre tenue, sur votre responsabilité que Dieu vous a confiée, nous te demandons de nous laisser cet arbre parce que c'est nos valeurs qui nous poussent à vous demander à genoux de laisser cet arbre qui est notre tradition, notre orgueil. Et le préfet n'a pas résisté. Il dit, voilà votre arbre, je vous le donne. Mais malheureusement, le conducteur du bulldozer est rentré sous cet arbre avant d'attendre les consignes. Il a tamponné l'arbre et la barre de transmission du véhicule s'est cassée. Il est descendu, il est devenu fou. Il s'appelle Bora Diallo, conducteur des TP. Automatiquement, il est descendu, ses pieds à terre, il est devenu fou. Ça, c'est une preuve que moi, j'ai vécu. Que tous ceux qui ont mon âge ont vécu. Et il y a une famille à côté du pont Abdoul Diallo, la famille Diallo. Aujourd'hui, c'est un de ses enfants qui est le président de la grande mosquée de Kolda. C'est lui, petit, qui donnait à manger aux fous. C'est dire que tout ce que nous disons, il y a des preuves. Tout ce que nous disons, nous les avons vécu. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, s'il y a pandémie, s'il y a hivernage, les gens se retrouvent, même pas, hein, je dis même pas. Il n'y a que quand il y a des événements que les gens spontanément se retrouvent là. Quand les jeunes font du camp courant, dans tous les quartiers qui gravitent autour de Doumassou, Château d'Eau, Gadapara, Doumassou Centre, Doumassou Escale, leur départ c'est sous cet arbre, leur organisation terminale c'est sous cet arbre. Et quand il y a circoncision et qu'on amène les enfants en brousse, c'est sous cet arbre qu'on danse le ting. Parce que cet arbre n'a jamais été un arbre à palabres. Il y a une différence entre un arbre sacré et un arbre où les vieux se rencontrent pour échanger. Sous cet arbre, on n'échange pas. On vient tendre la main, on vient tendre la main, on fait face à la Kaaba. On est catholique,
on fait sa propre prière et puis on s'en va. Mmh. La preuve, tous ceux qui ont été élus, députés, ministres, qui connaissent la valeur de cette arbre, ont fait trois fois le tour de cet arbre. Mmh. Il y a un seul ministre que j'ai vu, il a fait le tour de cet arbre en véhicule, 6 mois après il est tombé. Mmh. Parce que le respect n'y était pas. Ouais. On fait le tour de cet arbre à pied. À pied. Mmh. Et on a le bonheur devant soi. On ne défie pas cet arbre. On respecte cet arbre. En respectant cet arbre, c'est nos parents, c'est notre tradition, c'est notre coutume que vous respectez. C'est bon, merci beaucoup. Ngamra Adanta Djanevo. Je crois que c'est à moi de te dire merci. Voilà, Batou. Merci de cette confiance. Merci de cette confiance. Parce que transmettre n'est pas facile. Donner n'est pas facile. La bonté est un don de Dieu. Transmettre est une obligation ordonnée par Dieu. Et il faut avoir de la volonté. Quitter Dakar, quitter Jianchor, quitter un peu partout. Venir à Kolda 2 fois pour vouloir me rencontrer. Il faut avoir de la patience. Et tout ça pour permettre aux uns et aux autres de connaître ce grand Kaïsedra qu'on appelle le Djalaba. Que ce Djalaba qui nous porte bonheur, nous, Koldois. Nos fils de Doumassou, puisse à partir de notre entretien, vous qui nous écoutez, que ce Djalaba vous donne ce dont vous avez besoin entre les mains du Créateur. C'est la santé, c'est le sutra, c'est la très bonne fin de vie. Je vous remercie. Kumba dana jane bi bal tentulam bal jayla ala baraka bake. Jona Johnny di Baba, ni alaye komi si Jona Johnny di Baba, ni alaye komi si Jona. Kiti bainya si do, fama bana wole kelani, jomeni dayale. Ahala ila sumuru ya tuanale, ah joma kolo alale kalo.